Salut Castor. Dans cette vidéo, on va finir la boîte de base de Fallout Wasteland Warfare. On a un coup que tu me diras, et oui que je te répondrai. On va être aussi rapide qu'un faisan sur un champ de course. On va peindre 4 humains, un berger allemand, Canigou de son doux nom, et 2 molosses mutants, et tout ça en moins de 2 heures. Canigou, on va prendre notre temps. On va faire un joli dégradé typique des bergers allemands, qui va partir d'une couleur feu pour aller vers le noir. Mais on va l'intercaler au milieu du travail sur les autres pièces pour éviter que l'ennui ne s'installe. Petit détail, remettons l'hôpital au milieu du boiseau. La qualité des figurines de ce jeu, j'en suis fort déçu. Il y a 2 possibilités pour la boîte de base. Soit des figurines en résine d'une assez bonne facture, mais qui coûtent 1,5 pont. Soit des figurines en plastique qu'on dirait sculptées avec le cul. On a l'impression que leurs visages sont fondus aux radiations tellement les détails sont peu marqués. Enfin, ça ne retire rien au gameplay, hein. Allez, au travail. On va utiliser la même technique que dans d'autres vidéos. Des shaders et des encres sur une sous-couche claire. Ici, du skeleton bone, évidemment. Ce qui permet à la fois d'appliquer des couleurs de base, mais en plus, dû à l'effet spécifique de ce type de produit, les éclaircissements sur les arêtes saillantes des figurines se font d'eux-mêmes. C'est magique, hein, fieu. Comme souvent dans mes vidéos, je vais travailler dans un désordre ordonné sur mes figurines. Le but étant de profiter du temps de séchage d'une figurine pour avancer sur une autre. Cela permet de gagner du temps. L'optimisation de l'ordre n'est pas encore parfaite, mais c'est déjà pas mal. Pour les chiens mutants, la couche de base est un mélange red-beige de chez Vallejo et une goutte de noir. Le but, c'est de désaturer la couleur, la rapprocher plus du gris, en somme. Pour avoir une teinte de base assez neutre et pouvoir faire des éclaircissements bien tranchés assez facilement. Pour la peau de 3 des personnages humains, tu veux utiliser le Flesh Wash de chez Army Painter. Ça donne très vite un effet d'œuf. Évite de faire ton gros dégueulasse et de laisser trop d'encre s'accumuler dans les creux. Un peu, mais pas trop, hein. Faut pas que tes petits copains croivent que c'est Gilbert Montagnier qui a peint la figouze non plus. Tu peux utiliser un pinceau pour récupérer le trop-plein et le répartir ailleurs. Rapide, efficace et bon marché. Mais tu peux aussi éponger avec le bout d'un coton-tige si nécessaire. Attention, fais des réserves, ils auront bientôt disparu du marché. Pour l'habitante de l'abri, j'ai utilisé de l'encre brune de chez Code d'Arms. Une très chouette marque, mais qui je pense a fait fight. Ils ne sont donc pas très faciles à trouver. Tu pourras utiliser un équivalent comme du Mondfang Brown de chez Citadel ou du Armour Brown de chez Vallejo. Les 2 dans la gamme R. J'aime bien utiliser des peintures pour aérographe pour ce genre de peinture rapide, car elles sont plus pigmentées et couvrantes que la plupart des encres. Mais il n'y a pas besoin de les diluer, ils sont déjà super liquides. On va maintenant s'occuper des vêtements, parce qu'il faut bien les habiller ces pauvres. Déjà qu'ils se prennent des super mutants et des ghouls en pleine tronche, manquerait plus qu'ils se baladent à poil dans les décombres. Enfin, dans 3 cas sur 4, vu qu'un de nos compères a décidé de se la jouer Club Sadomaso et Pine de Barbare. Le manteau de la jeune femme, j'ai utilisé du Purple Tone Ink de chez Army Painter. Et applique une deuxième couche lorsque la première aura séché. La combinaison de l'habitante de l'abri, du Blue Tone Ink de chez Army Painter. Puis utilise du Purple Tone à nouveau pour recouvrir les chiens mutants, histoire de faire les ombrages et teinter légèrement la peau. Le but est d'avoir un dépôt de peinture dans le creux de leur musculature saillante. Du noir pour les cheveux de l'habitante de l'abri. Et puis du Armour Brown de chez Vallejo, gamme R pour les genouillères, épaulières et ceintures de l'habitante de l'abri. Ainsi que pour le bois du fusil dans son dos. Ensuite, avec la même couleur, occupe-toi des bandes de cuir et bottines de l'homme à moitié à poil. Même chose pour la ceinture de l'homme au pistolet et de la femme au long manteau. Dans la lignée des faits de ce que je dis et pas ce que je fais, en général, il vaut mieux appliquer les couleurs les plus couvrantes, comme l'Armour Brown, avant, pour pouvoir corriger les débordements avec une retouche de la couleur de base. Military Shader de chez Army Painter pour le pantalon de l'homme au pistolet et le Pip Boy de l'habitante de l'abri. Tu sais, le truc qui est à son poignet. Green Tone Ink de l'Army Painter pour le pantalon de la femme au long manteau et le pagne de l'homme à poil. Comme tu le vois, on évite les couleurs vives pour les vêtements des personnages de ce jeu, dans un souci de réalisme. Parce qu'en général, se balader avec un top rose fluo Hello Kitty dans un coin où il y a des snipers, c'est pas exactement la recette parfaite pour la survie, si tu vois ce que je veux dire. Allez, autour de Canigou. Tu vas recouvrir le haut de son corps avec du Zamessi Desert de chez Games Workshop. Puis tu vas faire un brossage à sec bien appuyé de Red Beige de chez Vallejo sur les chiens mutants. Laisse quand même apparaître la couleur violette dans les creux. Retour à Canigou, une couche de Agrax Earthshade de chez Citadel sur tout son corps. Du Null Hole de chez Citadel sur le t-shirt de l'homme au pistolet. Pour varier les brins, on va utiliser du Rhinox Hide pour faire les cheveux de la femme au long manteau. On refait un passage d'Agrax Earthshade sur le dos de Canigou, mais sur une zone plus limitée cette fois. On va réduire progressivement la taille des zones où on dépose les shaders pour dégrader la couleur de base vers le noir, couleur typique des bergers allemands. L'homme à poil, on va lui faire les cheveux blonds, mais une couche de base de Zamessi Desert. Fire Red de chez Vallejo Air pour le turban de l'homme au pistolet. Désolé pour les images suivantes, le cadreur sera à nouveau puni. Une couche de Null Oil sur le dos de Canigou. Du Screamer Ping pour les langues des chiens mutants.
du séraphim sépia pour donner de la profondeur aux cheveux de l'homme tout nu, une nouvelle couche de null oil sur une zone encore plus réduite du dos de Canigou, du lead belcher pour les parties métalliques des armes de nos amis de Wasteland, ainsi que pour la chaîne de l'homme au pistolet et la clé à molette de l'homme tout nu. Nouvelle couche de null oil sur le dos de Canigou qui commence enfin à ressembler à quelque chose. Du Ushap T-Bone pour les dents des molosses mutants. Et un brossage à sec de la même peinture sur les cheveux de l'homme tout nu. Null oil pour Canigou, again and again. On va renforcer l'air malade de nos molosses mutants en leur faisant de jolies cernes avec du Purple Tone Ink. Et une dernière couche de null oil sur le dos de notre berger allemand favori. Maintenant, tu peux utiliser du noir pur pour renforcer les zones comme le museau et l'arête du dos, et tu te retrouves avec un chien qui a bien de la gueule. Là, on va passer à la technique du King, enseignée à une poignée d'élus par les maîtres zen de la figurine rapide. J'ai nommé le Quick Shade. Vas-y Nico, explique-leur. Les Quick Shades sont des vernis colorés de chez Army Painter, qui permettent d'ombrer et de vernir une figurine en une seule étape. Il y a le Soft Tone, le Dark Tone et le Strong Tone. Chacun convenant une utilisation précise. C'est ce dernier, le Strong Tone, qui est le plus utilisé et le plus adapté à la majorité des cas. Les Quick Shades sont vendus sous deux formes, en petit pot à pipette, comme les autres shaders, ou en gros pot en métal. Avec les deux, vous pouvez appliquer le Quick Shade au pinceau, comme n'importe quelle encre ou shader, mais c'est avec le gros pot que la véritable magie est possible pour ombrer vos figurines et la chaîne. Deux méthodes sont possibles. Soit prendre la figurine avec une pince, la tremper dans le pot et d'un mouvement sec du poignet, retirer le trop-plein. Ou alors, la seconde, ma favorite. Utilisez une perceuse ou visseuse avec une mèche, fixez un bouchon en liège sur la mèche, puis à l'aide de pâte à fixe, collez la figurine au bouchon, la trempez dans le pot de Quick Shade, et après avoir mis la figurine dans un gros pot type pot de cornichon, appuyez sur la gâchette. La force centrifuge retirera le trop-plein de Quick Shade rapidement, et vous pouvez passer à la figurine suivante. Les deux techniques, quand elles sont maîtrisées, permettent de très rapidement ombrer des dizaines de figurines l'une à la suite de l'autre. A noter que le Quick Shade a un aspect brillant comme un vernis non mat, ce qui ne convient pas à toutes les surfaces. Mais dans ce cas, il suffit, lorsqu'il a séché, de passer une couche de vernis mat de la gamme de votre choix et le tour est joué. Il faut à peu près 24 heures pour que le Quick Shade soit totalement sec. 24 heures ? Mais t'es malade ! Et ma vie qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner. Oh putain, c'est pas trop tôt. Et voilà, on dilue légèrement le vernis mat avec de l'eau, on l'applique sur nos figurines, et elle est faite! Ne t'inquiète pas de l'aspect blanchâtre du vernis, il disparaîtra au séchage. N'oublie pas de faire deux couches, laisse sécher la première 4 heures avant d'appliquer la seconde. Et surtout, évite de mettre du vernis mat sur ce que tu veux laisser brillant, comme les armes, voire le cuir si tu le souhaites. Hors temps de séchage et peinture des socles, il m'a fallu moins de 2 heures pour peindre cette figurine. C'est pas la classe, ça. Je vais enfin pouvoir jouer à ce jeu, mais d'abord, faut que je fasse la table de jeu que je montrerai dans un prochain tutoriel. Comme d'hab, la liste des peintures utilisées se trouve sous la vidéo, ainsi que leurs équivalents dans d'autres gammes. Tu trouveras aussi, sous la vidéo, un bouton vers Tipeee. C'est un site qui vous permet de me payer des pourboires, soit une fois, soit un montant fixe par mois. Et ce, à partir de 1 euro. Allez, c'est pas grand-chose, feu. Si tu aimes mes vidéos et mes articles, ça me ferait droit plaisir que tu participes. Ça permettrait de payer du meilleur matériel aussi bien pour le tournage que la peinture, de nouvelles figurines et de nouveaux jeux, donc plus de tutoriels à te montrer, etc, etc, etc. Et aussi de payer pour le mazout, ça devient fort cher. Allez, alors voyons les castards.